Bonjour à tous et à toutes, je suis Arilus et aujourd'hui, enfin dans cette vidéo plutôt, nous allons faire la suite de My Schedule for Investigation, la deuxième partie de la fin de cet épisode. Sauf que, il y a une petite histoire, je vais être rapide. Mise à jour Windows 10, le micro de mon casque n'est plus reconnu, je suis obligé d'utiliser le micro cravate. Et le son est sans doute différent. Du coup, ça va être comme ça jusqu'à la prochaine mage Windows qui va, ou bien que je trouve une solution pour ce problème de merde. Voilà. Et comme je pouvais bloquer le son aussi sur mon micro pour éviter les bruits parasites, et ben là, je vais devoir tout faire à la main. J'espère que vous appréciez et que vous irez envoyer chez Microsoft. D'ailleurs, Microsoft, si vous regardez ça, je vous emmerde. La dernière fois dans cet épisode, nous avons donc découvert, non pas le criminel, mais que, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, personne n'est innocent. Il semblerait que le procureur, l'ambassadeur d'un aide de pays, aurait commandité un assassinat. Et c'est pas très très bien. Du coup, il a été arrêté. Et maintenant, nous devons savoir la suite. Eh oui, on ne peut rien faire. La dure loi de la justice et des différents pays. Casse-toi, langue. Casse-toi, tu ne me sers pas, langue. Ah bah, les lois sont faites pour être évitées, dirons-nous. Oui, si tu veux, mais tu vas avoir des problèmes dans l'univers. C'est leur ambassade, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Mais qu'allais-je faire? Oui. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non. Oui, d'accord. Oui, si tu veux, d'accord. Si tu veux, oui. Le scénario, si tu veux, scénario, il est là, présent, actuellement. Ah oui, et ce problème, par contre, ne marche que sur la nouvelle version de Windows 10, c'est-à-dire que quand je serai sur un autre ordinateur, c'est-à-dire le deuxième qui va s'imprimer en Internet, eh ben le son ira beaucoup mieux, bizarrement. Donc, voilà, je tenais à préciser un petit peu, au cas où Internet reprend actuellement. Il y en a qui va à droite, un à gauche. C'est parfait. C'est beau. Et moi, je regarde. Très bien. Ok. Oui, parce que les fleurs, c'était pas si ouf que ça. Et très bien. Il est perturbé. Oui. Effectivement, pour l'instant, ça se tient. Si tu veux. Il semblerait. Et oui, souvenez-vous, je vous êtes allé regarder les autres épisodes, si vous avez oublié. Extraterritoriaux, oui, parce que l'extraterritorialisme, c'est pas très très bien. Hmm,
Et maintenant, je peux marcher. Elle est bien, cette fleur. Oui, entre autres. Pour le bonheur. Non, pas vraiment. Centre de divorce, le MDR. Vous entendez aussi des bruits de porte, mais ça, je m'en occuperai au montage. Oh, quelle belle image! C'est une photo ou c'est une peinture? Ok, Paul y fait des doigts. Attendez, j'ai vu un truc. Hey, c'est quoi ça? J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Et oui, votre chère famille est chouette. Bah oui, du coup si je le déduis et que je présente, et oui vous l'avez sans doute reconnu, le couteau d'Alébaste. C'est bizarre, regarde bien cette forme, regardez-la bien, observez-la. Alors attendez, voilà, vous la voyez là. Ah ah, ici, vous le voyez, il manque une pétale. Donc, le couteau était dissimulé dans un bouquet de fleurs. Waouh! C'est incroyable! C'est super important. Retenons-le dans notre inventaire. Et dans notre tête. Et si je réfléchissais un peu. Est-ce que les opérations de rénovation des fondations des combles, mais ça on en a rien à faire, aurait un rapport avec l'opération de contrefaçon? Essayons. Donc, essayons. Peut-être que ça peut marcher. Oh le pif. Bah évidemment, Carcus Alba, qui ne s'en doute pas. J'ai envie de vous le demander. Qui ne s'en doute pas. Moi je tiens à le dire. Il se passe des choses. Vraiment. Ah, je le note dans ma tête. Ah. Et du coup, est-ce que ça a un rapport? Ah.
façon, je viens de trouver au pif. Genre, vraiment. Ce serait énorme. Ah oui, et Arya n'avait pas tué. Et Arya, qui était vivante, qui s'est fait arrêter, qui n'a tué personne. Et donc, qui sont inculpés pour les chefs d'accusation du meurtre d'il y a 7 ans. Et 14 ans, je crois. Ou alors je suis en train de confondre. Bien joué. Elle comprend vite la petite. Elle comprend très très vite. Ah, grande question. En effet, nous devons trouver ah mon Dieu. Mais donc, ça serait le théâtre. Où il y avait tout le monde. Et oui, évidemment, ça devait être ici. Ça change tout. Et oui, c'est super important. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du moins, je pense que oui. Je ne sais pas, écoute. Je cherche actuellement. Oh. Oui, Francisca, je t'ai reconnu. Tu cries un peu fort, écoute. Il va falloir que ça change tout ça. Oh, elle a un coup d'avance. Oh, waouh, incroyable. Tu m'impressionnes. Waouh. Est-ce que c'est un contenu hautement qualitatif? J'y vite. Une vraie femme. Il n'y avait aucun sous-entendu sexuel. C'est faux, on vous a menti. J'ai pas dit qu'on pouvait pas. Eh, calme-toi. Tu vas te calmer? Oh, et. Hein? D'accord. Non mais. Hein? Regardons cette VHS sur ce magnétoscope. Ouais. 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 Ah. Eh bien, examinons l'histoire 23. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ne serait-ce pas une statue? Non? Ah mais dis donc! Mais qu'est-ce que c'est ça? Je me demande bien! Oui. C'est... Waouh! C'est... Calme! Mais dis donc, c'est le jeu est terminé. Grosse enquête. C'est rapide. Ah, la police.
la police de type ambassade. Oh, tu es prêt pour une dernière bataille? Oh oui. Oui, elle est belle ta main. Est-ce que c'est une métaphore des bandes d'arcade? Sans doute. Bon, là, c'est complètement une métaphore. C'est, voilà, quatrième mur, zblé. Eh bien, je m'en vais. Oui, tu as confessé ton crime. Mais, évidemment. Confessé en deux mots, évidemment. Surtout. Ah bah tiens, est-ce qu'il va servir? Est-ce que tu vas servir? Parce que moi j'ai parié sur toi que t'étais coupable. D'accord, très bien, merci, copain. Du coup, je me dis que, en fait, non. Bon, en fait, c'est toi. Le jeu veut me faire croire que c'est toi. Bah, ton avion attendra. Une seule question? Qui va en amener d'autres? TKT. Allez, c'est hyper. Vas-y, dis-moi tout ce que tu sais, s'il te plaît. Ah, alors. Mais parce que t'es un sec Oui. Je suis pas certain. Hein, tu m'excuses. Hein? J'ai dit un instant. Oui, on a compris, Benjamin. Tu te répètes, Benjamin? C'est pas très très bon pour ton âge. Ah bah oui, ma question. J'ai une question. J'ai la question de toute une vie. De toute une vie. Attention. Oh. 1 mm. Attention. Ça rigole pas. Ça en rigole 0. C'est parti. Oui, représentant des lois et tout ça, blablabla. Vite. Allez. Oui, ne t'en fais pas. Ah. Mais je ne sais pas. Sans doute que oui. Mais nous allons le savoir très très bientôt. Oui. Oui, on va l'arrêter. On va l'arrêter. TKT, on va l'arrêter. Donc en fait, c'était pas par la NO et je suis déçu. Bon, bah. Est-ce que Capcom m'a encore eu? Oui. Ça y est, c'est bon, on peut y aller? Merci. Alors, vas-y. Parce que t'es un méchant. Ah bah oui. Oui. En fait, on a retrouvé des trucs. Des preuves. Genre des plaques. De faux billets. Ah vraiment? Ah, oh là là.
Oh là là. Il va dire des choses, il va avouer. Il va craquer. Oui, oui, je... Allez. Tu déclares que tu n'as... Oh. Eh ben en fait, hein, tu vas pas le croire. Tu vas pas le croire, hein, mais si j'en crois cette note, donnée par Jean Questou, parce que c'est son écriture, il voulait te voler la statue. Statue qui contenait les plaques de Phobiais. Je t'invite à répondre à ça. Je t'y invite gentiment. Dis-moi. Objection. Damn. Oh, cette voix. Oh, la vache. Oh, le vieux qui gueule. Ah, c'est au moins la... Oh, moi, la quatrième voix. Digitalisé dans ce jeu. Je sais pas si ça se dit. Rectifiez-moi s'il vous plaît. Regarde. Voilà. Là on y est. Arrête de gueuler. C'est pas bon pour ta santé. Tu le sais. Fumeuse. Ah oui. Ah t'es comme ça. Ah tu... Très bien, mais on va pas être potes en fait. Oh, tu résistes. Tu prouves que tu existes. C'est bien. C'est beau. Mais ça va pas le faire. Non, je te le dis, quoi. Ah bah oui, c'est vrai. Lol. Oh, est-ce que Palaino est un homme incroyable? Il a pas d'argument. Très bien. Ah, Gregorou. Et là, il va y avoir un retournement scénaristique que personne n'aura vu. Retournement scénaristique, essai complètement. Puis genre personne ne l'a vraiment vu venir. Voilà. Bravo Capcom. Vous me surprenez. Écoutez, hein, voilà. Il a été choqué. Il a été choqué. Le nom de Farada. Bah oui. Oui. Non, si. Ah mon dieu. Des révélations plus de révélations. Non mais tu peux. Oui. Regarde ce carnet. Waouh. Tut 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 tut. Tut tut. Oh regardez, c'est beau. Alors attendez, il y a son écharpe à flotter, mais la porte est fermée, on est d'accord. Qui a ouvert une fenêtre? Oh.
à le faire en tapis. Ah, all-in, normalement, je crois que ça s'appelle. Oh, comme son père. Comme son père. Bah si, en fait, voilà. C'est comme c'est, vous savez, c'est dans ce genre d'animé, le personnage un peu nul qui dit « Je mets ma vie entre les mains du héros, car j'ai confiance en lui et le pouvoir de l'amitié, ainsi que le quart de smiley sur la main. » Bon, la suite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez. Et ben, comme ça, en fait, c'est tout simple, tu te mets devant. Hop, position mur, intangible, et, enfin, tangible, inamovible, c'est ça le mot, inamovible et tu bouges plus, comme ça tu tiens tête à la personne. Oui, comme, non, je ferai pas celle-là, comme avec, non. Et c'est parti, c'est, enfin, c'est pas trop tôt, alors. Parce que je peux, je vais réfuter. Oh là là. Oh, souvenir. Souvenir. Vous souvenez-vous de Bonne Karma, l'épisode 1, une question, sinon c'est terminé. Oh, c'est trop bien. Des petites références comme ça, à droite, à gauche. Alors, justement, justement, si l'on regarde cette photo commémorative, regardons-la bien, regarde-la bien, est-ce que tu l'as bien vu? Est-ce que tu l'as bien vu? Non, je suis pas bien sûr que t'aies compris. Mais je t'assure que c'est ça. Je t'assure que c'est ça. Est-ce que tu as compris? Oui, tu es un petit vieux. Mais qui l'a prise, en fait? Voilà, la question c'est qui l'a prise, en fait? Et aussi le couteau. Le couteau. Exactement, c'était prévu, je le savais. Oh, je n'ai absolument pas piffé. Oh, il te jamais. Mais ta gueule. Oh mec. Mais il se fout de moi. En fait, il se fout de moi. Mais... Oh, j'en ai marre. Oh, mais les droits. Allez, un deuxième twist. Vas-y, je suis prêt le jeu. Démontre-moi que tu en as encore dans le ventre. Le son, s'il te plaît, arrête de planter. Merci. Passez vite. Bah c'est bah voilà. Oh, il est beau. Oh, il est délicieux. Oh, il est magnifique. La Space Police. Ah, la police de l'espace. Ah, mais du coup, vu que lui, il est policier du pays, et bah donc ça compte. L'extraterritorialité
n'aura aucun effet. Ah bah voilà, on y arrive. Oh. Ah bah dis donc. Mais quel hasard de... Mais quel hasard de, dis donc. Regarde. Oh c'est fou. Ça reste la Maison Blanche, comme la Maison Blanche aux États-Unis. Hein? Il pointe du doigt. Oh! Il est redevenu un homme du peuple. Ah mon Dieu! Oh, il est beau. Mais cet homme est un génie! Oh, cet homme est incroyable! On apprend des choses. Il est redevenu un petit vieux? Oh! Ah! Oh. Si, tu es redevenu un homme du peuple. Tu es redevenu la plèbe. La plèbe. Pas bleu, c'est inutile. Ah oui, c'est dommage. Oui, honnête et consensuel, évidemment. Oh. Et oui, on t'a vu. Ah oui. C'est beau. Oui. Ah. Vas-y, vas-y, je suis prêt pour le fight. Ouais, et maintenant je peux te retenir. Autant que je veux. C'est la guerre. C'est la guerre, mon colonel. Complètement. C'est pas la question. Oui. Tu oses me dire qu'il n'y avait aucun moyen. Eh ben en fait. Mais en fait tu vas rire, mais si. Il y a un moyen que tu as sans doute déjà utilisé. LOL. Oh, elles sont... Frotte les mains. Et c'est bon. Oui, bah il n'y a plus que ça à faire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Alors. Et c'est là que tu te trompes. Et c'est là que le génie... Enfin, le génie... Le génie... La cassette vidéo nous sert parce que regarde là cette poussette. Regarde là cette poussette. Est-ce que tu vois cette poussette? Je crois que tu l'as pas bien assez vue. Si je te la mets dans la gueule, est-ce que tu la vois mieux la poussette? Hein, tu la vois la poussette? Oh là là. Ah là là.
Bah, une poussette, écoute. Oui, t'as vu, on te dit des informations utiles, quand même. Regarde bien cette bosse. Ah bah oui. Regarde bien cette bosse. Et d'ailleurs, je vais prendre mes notes. Notes. Oui. Attendez, faut que je retrouve ma note. Oui, c'est ça. Un seul coup de couteau à la base du cou, le corps n'a pas été brûlé dans l'incendie. Étrange, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne serait pas lui? À cause de lui? Est-ce que c'est ça seulement? Parce que j'ai raison. Complètement, en fait. Bah, que c'est le corps, en fait. T'as pas compris? Ah, mais il me croit pas. Mais il ne me croit pas. Oui. Fallait pas dire ça. Fallait pas dire. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as pas dit ça? Ah! Ah, ah bah t'active. Utilité. Merci. Il l'a trouvé. Alors par contre, le son, si tu pouvais te remettre correctement. Oh, t'es un génie! Tu es un génie, détective. Ah, tu trembles. Et si je la... Bah, dis donc, mec. C'est sans doute de la peinture, lui, ketchup. Ah non, c'est du sang. Mince alors. Ça doit être un sacré hasard, dis donc. Ta gueule. Ah mais oui, mais tout à fait. Parce que tu es vieux. Ah bah ce serait suspect. Aussi. Je confonds les deux en fait. Je confonds Bamal et Almas. Et c'est compliqué. La vie est compliquée, c'est écouté. On fait un pari? Vas-y. Allez, on parie. Allez, vas-y, 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 dis-moi tout. Dis-moi tout. Vas-y, je suis prêt. Vas-y, je suis prêt. C'est complètement ça. Et oui. Oh, ce regard. Oui, j'ai été pris en photo. Oui. Oui. J'ai pris le père pour les trésors de notre patrimoine. Oui, bien sûr. Si tu veux. Je suis pas d'accord. Enfin, elle n'est pas d'accord. Il est vrai.
Espèce de pas gentil. Oh, je pointe du doigt ici. Te demander n'importe quoi en fait, mais littéralement n'importe quoi. C'est un indice subtil que le jeu me dit là, il me dit d'attaquer partout, je pense. Il tient son rôle de manière admirable. D'accord. L'œil était grasu. Eh oui. Par un habile et subtil jeu d'ombre chinoise. J'ai pas attaqué. Eh merde. Non, attendez. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Attendez, j'appuie sur le mauvais bouton. Oui. Non mais même elle, mec, arrête. Même elle. Dans ce cas, moi aussi. Non mais calmez-vous. Mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Oui, donc. Un. Là. C'est bon, je trouvais. Oh, masque. Elle est pas contente, elle est pas contente. Arrête de frapper l'air, il n'a rien fait l'air. Bon, j'attaque tout le monde. Eh ben, je sais pas. Oh. Oh mais qui est-ce? Ah. Alors. Paul. Oui, tu es mignon, mais arrête. Bon, Paul, Flavie, vous arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Ah, c'est... Parce que... C'est... Ah. Ah mon dieu, c'était Paul.
Mais tu sers à mes poils, mais tu sers à rien. Mais cassez-vous. Non, là, c'est une marionnette. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Trempé. Pardon ? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Non, après. Oui. Quoi? La symétrie bilatérale, évidemment. Ouais, je veux que tu ailles regarder le côté du mur. C'est bien un trou. Alors là. Alors là, mon gars. Alors là. Non, le jeu, c'est pas le moment. C'est pas le moment, le jeu. Le jeu, c'est pas le moment. Arrête. Arrête, arrête. Allez, ressaisis-toi le jeu. Allez, l'émulateur, s'il te plaît. Allez, émulateur. Allez, je crois en toi. Je crois en toi, émulateur. Trululu. Monsieur, c'est incroyable, il y a un trou dans le mur. Il y a un bassin. Ouais, j'y pensais pas aussi qu'il y avait un bassin. Moi, je pensais qu'il y avait un trou dans le mur, mais je suis trop con. Oui. Oh mon dieu, et ça forme un... Si on regarde comme ça, si vous avez de l'imagination, ça forme un casque. On peut pas... La gueule. Les preuves. T'en veux des preuves? Mais je vais te les faire bouffer mes preuves en fait, toi. Je vais te les faire bouffer tellement fort dans ta bouche. Est-ce que tu le sais pourquoi? Que tu le sais. Ah. Vas-y, vas-y. Exactement. Et oui, c'était ça depuis le début. Oui, bah, tout à fait. Ah, allez. Va falloir arrêter parce que là, l'émulateur supporte pas. Passez vite. Oui, Lord. Qu'est-ce que se passe-t-il? J'en ai marre moi aussi, mes potes. Parce qu'il fait son job, il doit trouver la vérité avec moi. Et il pense. Thank you.
Oui. Tout à fait. Ah bah oui. Ou bien, on a fait passer le corps de la même manière qu'on a fait passer les statues. Elle a utilisé le bassin pour elle-même aller de l'autre côté et récupérer le corps. Et ouais, vous n'y avez pas pensé. Vous n'y avez pas pensé. L'incendie, espèce d'enfoiré! Et bah là, évidemment, c'est possible! Non, mais bougez l'eau! Mais tu vas voir, et c'est grâce à toi! Enfin, à toi. Oui, non. C'était évidemment. Alors, faut que je retrouve l'incendie à Babal. Et ouais. Personne n'y avait pensé, et pourtant. Et pourtant. C'est pour ça qu'il y avait un incendie à Babal. Petit vieux amnésique. Passez vite. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est surfait les échelles, écoute. Et les escaliers, c'est surfait aussi. Encore plus même, c'est surcoté. Ah mais... Je m'en vais t'éclairer de ce pas, mon ami. Regarde bien. Cette preuve est décisive, du moins je l'espère. Ce que j'appelle les bulles de la fontaine qui se remplissent automatiquement quand le niveau est bas. La technologie est incroyable. Et bien en fait c'est très simple. Incendie commence, on puise de l'eau. Shina, tranquille, et paf, elle se met dans l'eau, l'eau descend, fin de l'incendie. Pendant que ça se remplit, elle passe dessous et attend tranquillement que l'eau monte afin qu'elle puisse aisément. Voilà, la flottaison de l'eau. Mais je savais. Mais oui, c'est ce que je viens de dire depuis 15 minutes. Voilà, un schéma. Ensuite, ah là là! Incendie. Et là, ouf. Elle a fait pouf. Ensuite, ah là là, incendie, vite, on ouvre les valves. Ah là là, vite, 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 dépêchons-nous. Et là, plus d'eau. Donc du coup, paf, on y va. On pousse. Oh, regardez ces animations dignes de 2004.
C'est quand même incroyable ce qu'on faisait à cette époque. Et donc là, paf, on remet les buses. Oh, la physique, c'est beau. T'as quelque chose à dire, peut-être? Ou à me contredire? C'était un compensement. Tu sais que tu m'ennuies? Tu m'ennuies... beaucoup, mon grand. Tu m'ennuies beaucoup, écoute. C'est des expressions de vieux, ne cherche pas. Tu veux des preuves, mais je vais t'en donner des preuves, moi. Mais ne t'inquiète pas, j'ai toujours une grappe dans ma poche. Est-ce que tu veux le voir? Je pense que ça va bien, ça va, j'espère que, ça va être bientôt la fin. Et cette preuve, je vais te la dire, elle était dans ma poche depuis le début. Non, de l'autre côté. C'était ce médiateur. C'est un médiateur. Ah, bien joué. Regarde bien. Regarde bien ce couteau d'alabastre. Est-ce que tu le vois? Eh ben en fait, ce n'était pas un médiateur, mais la fleur qui manquait. Et ouais. Et oui. Ouais, tu vois, il manque une petite fleur. Mais il lui manque une pétale. Et c'était cette pétale. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, enlever, enlever, mi, enlever, mi, enlever. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Mais c'est qui continue d'effronter? Mais c'est qu'il est en train de m'énerver en plus. Alors, pour l'instant, ça fait une heure que j'enregistre. Et l'enregistrement avec le téléphone marche super bien. Je suis juste en train de bousiller la batterie comme un énorme enfoiré. Mais ça va. C'est une vraie question d'ailleurs. Ah oui, une vraie musique. À moi, vas-y, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Tu veux contre-argumenter peut-être? Je pense que tu veux contre-argumenter. Vas-y, dis-le-moi. Vas-y, chute vers toi. Mais il est pas d'accord. Ah, il veut contre-argumenter. Vas-y, c'est la finale. La finale. Vas-y, dis-moi tout. Ah, mais c'est le cas, je pense. J'en suis même certain.
Et tu vas témoigner. Parce que tu es méchant et ce sera dans des airs. À suivre. Oh, waouh. Oh, so much suspense. Eh ben, une petite heure. Eh ben, c'est parfait, écoutez. Eh ben, du coup, j'avais tort sur Palaino. Et là, on se rend compte que Alba est plus que ça. Et plus que ça. On est monté quand même assez haut. À une tension, là, qui est quand même bien tendue. Il y a eu quand même quelques petits moments de flottement. Je suis un peu déçu. Mais là, c'est la fin. C'est la dernière ligne droite. Je suis tenté de continuer la dernière ligne droite. Je suis tenté de la continuer parce que je pense qu'il doit rester quasiment rien à part énormément de dialogues et le générique de fin. Mais je pense que je me garderai ça pour plus tard. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout qui, j'espère, vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié, à mettre un commentaire si vous voulez, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et pour ne pas rater la dernière partie de cette fin d'épisode incroyable qui va sans doute être remplie de rebondissements. Et bien sûr, si vous voulez, il y a un Discord qui se trouve dans la description, vous pouvez rejoindre. Ça va être trop cool. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite et la fin de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.